Eve. Ah, c'est déjà mieux. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui. Ouais, non, on peut faire mieux là. Alors, vous êtes peut-être pas nombreux, mais je suis sûr qu'on peut faire un petit peu plus de bruit. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, ça fait plaisir. Alors ce soir, un spectacle exceptionnel, le spectacle Tous en cœur. Vous allez retrouver des artistes qui vont défiler sur cette scène. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des blagues, il va y avoir comme la blague à deux balles, hein, comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Sinon j'en ai une autre, j'ai pensé à Eve, lève-toi jusqu'au fond. Ouais, non. Bon, voilà. Ils aiment pas les blagues ici à l'Eve. Hein. Bon, je serai pas tout seul pour animer cette soirée. Elle m'a fait le plaisir d'accepter donc d'être à mes côtés. Et là, je vais être content. Par contre, niveau technique, on n'a pas un petit réhausseur? Non? Eh ben, on n'est pas dans la merde. Bon, et ben, on va essayer. Voilà. Je vous demande de l'accueillir, puisqu'elle sera avec moi donc toute la soirée. Audrey Godefoy, qui est Miss Orléanaise. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne me suis pas trompée ici. De la foi. De la foi, voilà. Ah, regarde, c'est normal, parce qu'en fait, tu vois, j'ai des fiches. On va regarder, voilà. En fait, c'est même pas la même. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai des fiches. Ça sert à rien du tout, j'ai pas les murs, je vois rien. Comment tu vas? Très bien, et toi? Eh ben écoute, moi ça va. Ils ont l'air chauds, tu penses? Ah, limite encore, hein. On se réveille un petit peu. Lève. Ça marche pas. Non, tu vois, ça marche pas. Regardez. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ah, mais c'est beaucoup mieux là. Vas-y. Pour leur dire. Ouais. Vous êtes chaud ce soir? Ouais. Ah. C'est bien. Allez, et bon, on va pas perdre de temps parce que je crois qu'ils attendent nos artistes, hein, qui vont défiler donc tout au long de cette soirée. D'ailleurs, c'est un grand artiste qui arrive, un grand artiste. On rigole pas. Qui va arriver? Charlie, tu connais? Non. On parle de moi là. On parle de moi. Oula, c'est pas ce bordel. Tu m'as pris la tête toute l'après-midi. Quoi? Ouais, tu m'as pris avec tes blagues à deux balles. Non, mais on se connaît? Ouais, tu fais, tu feras des images. Oui, non, on n'a pas le temps. Sécurité! Non, c'est bon, mais... Non, je reviens. Non, mais il y a des fous sur Terre. Bon, ça va, il est parti. Bon. Oui, donc je disais, est-ce que tu connais Charlie? Non, je connais pas Charlie, c'est qui? Charlie Martin Junior. D'accord. Alors, Charlie Martin, il est bien. Tu es bien, ouais. Quelle belle tête. Oh, merci. Oui, bon, alors, il faut que je trouve un tabouret avant ce soir. Bon, tiens, lève le bras. Non, mais tiens ça dans ta main. Là, tu paraîtras plus grand. Celle-là, elle est petite, oui. Fais les choses à ta taille. Et j'ai pas l'air con, là. Ouais, non, c'est surtout bien, en fait. Ça risque de durer un petit bout de temps, en fait. Je t'avais pas prévenu, c'est pas grave. Tiens, je vais te montrer des cartes. Tu sais lire? Non. Je t'avais dit que je reviendrais pour t'embêter. Ah oui, mais moi j'étais jusqu'au CP. Ah. C'est qui, Mike ou Jacques? Jacques. Ah, je crois que la dame, elle était à l'école avec moi. Bonjour. Ah non, mais... C'est quoi votre prénom? Oh si. Oh, le monsieur à côté, il va donner son prénom. Pardon? Oui, c'est bien ça. Je me rappelle d'une Gisèle qui était dans ma classe. Ça reviendra à la mode quand même. Oh, je sais pas où c'est quand même. Tu t'appelles comment? Ah bah oui, c'est Cyril. Bon, Cyril, t'es quoi? Oui. Ok. Ah, t'es gentil, hein. Vas-y. Bon, désolé, Charlie, on a pris un peu de ton temps. Ah, désolé. Ah, bah, on est entre amis, en famille. Entre amis, faut dire oui. Bon. Sûr. Et là, un petit moment de solitude. Voilà. Ouais, t'es en train de te dire, c'est quoi qui va faire son tour? Bon, tu te manges là. On a une programmation. Non, Michael Jackson, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Non, bah, t'as eu autre chose. Grégory Le Marchal. Qu'est-ce que tu viens foutre? Grégory Le Marchal avec la politique. Dave. On a dit pas de politique. Jean-Claude Van Damme, Yannel Wallet. Ah, c'est que des people en fait. C'est que des popoles. D'accord. Et. Des popoles pour parler. Barack Obama. Barack Obama, Mike Brandt. Renaud, bon, tout le monde. Bah, sauf moi. Hein, sauf toi. Bah, t'es un big boy, toi? Eh ben oui. T'es passé où? Chez moi. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Attends.
Mais je suis pas là pour faire ma promo. Attends, je t'ai jamais vu. Oui, mais on s'en fout. Alors ? Moi, tu peux me dire stop où tu veux. Tu te fous de ma gueule. J'ai pas envie. Tu peux me dire stop quand tu veux. Mais non, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse stop ? Oh, dis-moi stop. Stop. Prends ta carte. Ouais. Tu la gardes, hein, et tu la montres à personne. D'accord. C'est bon ? Oui. Oh, petit pote, je suis tombé sur Sarkozy quand même. Bon, t'as une enveloppe depuis le début dans la main. Oui, là. Moi aussi, j'en ai une. Là, j'en ai une. Oui, alors, et je... Non, mais et j'ai deux mains, moi. Je fais quoi avec tout ça ? T'attends, tu... Attends. J'ai une enveloppe, là. Depuis le début. Dans cette enveloppe, il y a une photo. Je sens que tu vas m'énerver, toi. Ça risque d'être drôle, en fait. Il y a une photo. Et c'était quoi, en fait, ta personnalité ? Mike Brandt. Mario. Mike Brandt. Ouais, comme quoi, le hasard fait la même chose. Hein. Comme quoi, hein. Ah, j'ai une photo. C'est... T'as dit Mike Brandt ? Bah oui, Mike Brandt. Merde. Je crois que je t'ai piqué ta photo. Bah, c'est Mike Brandt quand j'étais petit. Non, mais ça va. Non mais... C'est toi ? T'as eu ça où ? Ah, mais depuis le début, t'as une enveloppe dans la main. Oui, non mais... Et t'as eu ça où ? Ah ah. On va ouvrir ton enveloppe. On va essayer. Sans déchirer la chose. Et dans cette enveloppe, il y a une prédiction. Une et une seule. Bon, à part la photo de Mike Brandt côté bébé. Il y a une photo. Tu vas ouvrir. C'est du papier journal. Tu vas ouvrir. Ils ont plus de sous, les magiciens aujourd'hui. Ils prennent vous savez, les papiers dans les journaux là. Donc quand t'auras fini de. Hein. Oh non, c'est pas possible. Bah, c'est la preuve. C'est Mike Brandt. Je crois qu'on peut l'appeler. Alors moi j'aime bien la magie. Ouais, mais ça t'énerve. Alors ça m'énerve surtout quand on me montre comme bébé. Tu sais comment ça marche ? Hein ? Tu sais garder un secret ? Non. Moi je suis très bien regardé, de toute façon je te le dis là-bas. Et ben voilà. Allez, hop, on va. Je te laisse Charlie. À la prochaine. Hein. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mademoiselle, messieurs, bonsoir. Il était une fois un jeune homme prénommé Steven, passionné depuis son plus jeune âge par la magie en voyant les plus grands magiciens devant sa télé. Tout petit, le 27 janvier 1996, à l'âge de 5 ans, la France entière découvrit son visage dans la célèbre émission de Jacques Martin, l'école des fans, en compagnie du regretté c'est Jérôme. Il vous interprétait sa célèbre chanson « Jérôme, c'est moi ». Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oh, il tomba dans la potion magique, se découvrit un talent hors du commun, il devint alors magicien mentaliste. Ayant déjà fait des spectacles avec Antoine Lotnaret, sosie de Michel Polnareff, Johnny Franch, sosie de Johnny Hallyday, Gilles Puiset, sosie de C. Jérôme, vous avez pu le voir dans l'émission de Jackie Show du Club Dorothée, vous avez du talent sur IDF. Il en est ressorti 3 points gagnants. Alors attention ce soir, gardez bien les mains sur votre porte-monnaie. Les femmes, faites attention à ce que vous pensez, car il lit également dans les pensées. Ce soir, je vous laisse en compagnie du jeune, talentueux, drôle, magicien mentaliste, Steven Magie. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon spectacle. Ah, s'il vous plaît, on applaudit, c'est le magie. Allez, on l'appelait bande de feignants. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis pas prêt, on s'en parle. C'est ça, c'est si on peut m'allumer la... Ah, merci. C'est nickel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Vous appelez ? Ouais. Fanny. Fanny ? Oh, c'est joli. Fanny, ma droite ou ma gauche ? Gauche. Gauche. Ok.
Bonsoir. Tu t'appelles comment? Oui. Tu t'appelles comment? Théo? Ma droite ou ma gauche? Gauche. Ok. Alors, bonsoir monsieur. Vous vous appelez comment? Bernard. Bernard, droite ou gauche? Droite. Droite? Ok. Bon bah je savais pas quelle cravate choisir. Bah en revanche je savais exactement quelle cravate vous alliez choisir. Ça vous a plu? On vous entend pas là? Ça vous a plu? Ah, vous en voulez encore? Ouais, plus fort hein. Vous en voulez vraiment encore? Oui. C'est Gisèle qui rigole encore. Ah, je t'ai reconnu parmi vous. Je te reconnaîtrais n'importe quoi. Bon bah tiens Gisèle, tant que t'es là. Bon apparemment ça l'a fait marrer. Bon bah Gisèle, on va prendre le... Alors je vais venir. Hop. Alors, t'es où Gisèle? Alors Gisèle, on va tenir le paquet bien haut, en hauteur. Ça risque que tu vas un bout de temps aussi. Hein. Par contre, elle aime bien rire. Tu passes une bonne soirée, Gisèle? Ah, bah, ça se voit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire dans la salle? Quelqu'un qui sait compter? On n'a pas été à l'école. Ah, Gisèle, tu sais compter? Ah, alors, 1, 2, 3, 4, 5, après. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Gisèle, on va choisir un chiffre dans la liste. Entre un chiffre, entre 1 et 16. 4. Alors on va garder le 4. On va barrer la ligne qui correspond au 4. Il reste 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Un deuxième. 5. On reconnaît ceux qui suivent le spectacle. Hein. Ah Mario, on l'écoute. Hein. Charlie, pareil, mais le magicien. Hein. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 13. 13, ok. Hop, on part ce qui correspond. Il reste 6, 7, 10, 11. 6. 6, ok. On part ce qui reste. Alors 6, il reste 11. Alors maintenant, on va compter. 6 et 11. 17. Et 13. 17 plus 13. 30 et 4. 34. 34. Ok, bah moi j'ai un paquet là ici. Il y en a qui veulent compter avec moi. On a un paquet avec des cartes totalement différentes, hein Gisèle? Les cartes sont bien. À croire qu'elle fait exprès en plus. Les cartes sont bien toutes différentes, Gisèle. Ouais, je peux dire oui, ça m'arrange. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. On va montrer. On voit pas. On voit pas. Ah. 8 de cœur. Vous faites bon sens. 8 de cœur. Il se fout de ma tronche là. En train de pourrir mon spectacle. Ah non mais ça aime bien les autres artistes, mais le magicien ça veut lui ruiner sa carrière. Bon bah Gisèle depuis tout à l'heure, elle a un paquet de cartes depuis bien. Bon, j'ai dit ça va durer encore un peu. Ça va durer encore un peu. Non je rigole. Gisèle elle va ouvrir le paquet. Eh mais bien. Faut garder. Non mais faut l'ouvrir en même temps. Ah, je rigole. On peut baisser la main. On va sortir le jeu de cartes, sans faire tomber les cartes, bien sûr. Non, mais on peut baisser les mains, je rigole. Il y a une carte qui a tourné. Non, mais... Il y a une carte qui n'est pas dans le même sens que les autres. Tu comprends, Gisèle? On rappelle la carte depuis tout à l'heure, c'était le 8 de cœur. Il y a une carte retournée dans le paquet depuis le début que Gisèle a dans la main. On va voir. Et c'est bon spectacle. Et c'est le 8 de cœur. Voilà. Merci. Ah, je veux que tu m'as mis le paquet maintenant. Oula.
eux, ils vont la poser ici. Et non, c'était quoi le prénom de Jennifer? Audrey. Audrey. On a noté Audrey. Hop. Je vais vous donner le papier. Là. Merci. Maintenant, on va penser à une ville, un pays, n'importe quoi. C'est une chose qui est à l'étranger, en France, n'importe quoi. C'est bon? On pense bien à ce que je vais dire. C'est flatteur, mais quand même. Alors. Bon, on voit que ça passionne tout le monde. Alors. Il fait chaud ici, hein. Je ne sais pas si vous. C'est chaud. Bon, on va prendre le papier, on va le poser ici. On va me dire maintenant c'était quoi comme ville ou pays. Australie. Australie. Oh. Que des trucs compliqués. Ah, va pas me faciliter la tâche, hein. Australie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, Australie. Là. Voilà. Puis maintenant, on va faire autre chose. On va prendre le jeu de cartes. Hop là. Alors, je vais vous demander de venir, Audrey. Elle me perturbe. Alors, Jennifer, les cartes sont bien toutes différentes. Tu es à côté. Il n'y en a pas plusieurs qui sont pareilles. Tout est bien différent. Bien vu, oui. Ça facilite la tâche. On va mélanger le paquet. Hop, comme ceci. Ça s'appelle comment ça? De la classe. De la fille. Alors, Jennifer, on va me dire stop n'importe où. On la carte, on la montre. Bien à tout le monde et on la garde contre soi sans moi. Enfin, sans que je la prenne. C'est bon? Maintenant, je vais essayer de deviner le nom de la carte. C'est libre. Hop, c'est quoi? 5, 2, 1. On va donner la dernière feuille. Et voilà. Bon, maintenant, on va récapituler. On va reprendre toutes les boulettes, en fait. Et on va vérifier si j'ai fait des boulettes. Bon, bah. Je vois qu'il y en a qui suivent. Hein. Alors, en premier, j'ai Australie. Ah, j'ai Audrey. Je me suis dit que c'est dernier quand même. Pour voir si. Le dernier. J'ai le 5. Ça vous a plu? Oui. Vous en voulez encore? Oui. Vous êtes, c'est sûr, c'est pour toi, Tika. J'aurais pas dû la faire monter.